Elin Santos semble être l'homme à battre dans cette course au couloir 6, le Dominicain, mais attention, toute la famille Borlée, Dylan le plus jeune au couloir 8, Kevin au couloir 5 et Jonathan au couloir 3. La dernière course de la soirée, le feu d'artifice belge comme vous l'avez appelé Marc-André. Jonathan Borlée, 2 victoires en Diamond League pour lui. Et voilà le tour de piste de Kevin, Jonathan et Dylan face à le bon départ de Kevin Borlée qui revient sur Luguelin Santos. Martin Rounet semble être bien dans le rythme pour l'instant. Dylan Borlée a repris Teddy Atinvenel, le français. Dylan Borlée a réalisé une bonne course. L'effort de Luguelin Santos maintenant dans le virage opposé. Luguelin Santos qui pourrait bien sortir en tête à la bagarre avec Martin Rounet. Santos qui sort devant. L'accélération de Rabah Youssef au couloir 3, mais Santos qui va aller chercher la victoire très facilement devant Youssef et Rooney. Kevin Borlée, il me semble, ou Jonathan Borlée plutôt, à la quatrième place. 45-67 pour Luguelin Santos. Victorieux lors des Universiades sur 400 mètres, victorieux avec le relais, victorieux aujourd'hui. C'est une belle fin de saison pour Luguelin Santos, le Dominicain, médaillé à Londres.